Good morgen, allez, Yiden et Tutra aujourd'hui, le Nishmat, Moriver Bishmoel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batrim Nechemia, ainsi que les Nirvoat, Avram Mori, Ben Rehout, Betor Shah, Holy Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions la Seret Zvachim, Perek Yud, Mishnah Gimel, Abechor Kodem le Maaser, Mi Peneche Kedushato, Merechem, Ben Echal la Kohanim, A Maaser Kodem la Ophot, Mi Penei Shehu Zevach. On continue les lois de priorité lorsque l'on a deux korbanot à faire au Beth Amikdash. C'est le sujet de tout notre chapitre, dans lequel on a vu plusieurs ordres de priorité. Première Mishnah, c'était de nous dire celui qui est le plus fréquent. Et depuis la Mishnah Beth, maintenant, on a commencé à hiérarchiser les korbanot en nous disant, lorsque tu vas te retrouver avec deux korbanot, un qui est plus important que l'autre, tu fais l'important en premier. D'accord ? Du coup, ça nous a renvoyé au cinquième perek de Ezeu Mekoman chez les Zvachim, où là-bas on apprenait les particularités de chaque korban, où les halachot nous prouvaient que le korban il était plus kadosh, il avait une sainteté plus grande, une importance plus grande. Il y a des règles de priorité qui en général vont aller selon les principes évoqués là-bas. Quelques petites exceptions qu'on rencontrera à la longue. Pour notre Mishnah, pour le moment, on a comme ça « Abechor kodem le maaser » On parle de deux korbanot, le Bechor et le Maaser. Le Bechor, c'est les premiers-nés qui vont ouvrir la matrice, donc des vaches, brebis et chèvres. Le premier-né, comme il y a le Bechor pour les hommes, il y a aussi Kadesh Likol Bechor, Beter Kol Rechem Bivin Israël, Ba'adam ou Va'behema, même pour les animaux. D'accord ? Donc il y a une Gdusha. Qu'est-ce qu'on fait avec le Bechor ? On le donne au Kohen et le Kohen va en faire un korban, il va le sacrifier, puis ensuite il va le manger lui avec toute sa famille, il va manger la viande. D'accord ? Ça c'est pour le korban du Bechor. C'est quoi le Maaser ? C'est tous les nouveau-nés de l'année, selon des saisons. Alors on va compter les nouveau-nés, on va faire passer tous les nouveau-nés de l'année, pas les premiers-nés, les nouveau-nés, tous ceux qui sont nés dans cette année-là, on va les compter. Et le dixième, Asiri Yé Kadosh. La Torah l'a dit, on le sanctifiera le dixième, il sera un korban. Qui va consommer ce korban ? Eh bien, le propriétaire, lorsqu'il va venir à Yerushalayim, alors il aura sa viande, il va venir avec son petit mouton, avec son petit veau, et il va l'égorger, il va le manger ensuite quand il va être à Yerushalayim. Pour lui tout seul, il n'y a aucune part pour le Kohanim. La Gemara rapporte à propos que le Maaser, c'est un korban que tout le monde faisait. Il y avait même les gens simples, qui n'étaient pas méticuleux dans la halakha, ils faisaient le maaser, parce que de toute façon, tout le monde venait à Yerushalayim. Alors si déjà, il avait sa grillade organisée, il partait au Beth Amikdash, vous savez bien qu'à Yerushalayim, on n'avait pas le droit. Tout animal qui était apte à en faire un korban, on n'avait pas le droit d'égorger à Yerushalayim pour le manger de manière profane. Il fallait nécessairement faire un korban, et de ce fait, c'était un korban que tout le monde suivait cette halakha. Tout le monde faisait le maaser, ça coûtait pas... Ça mangeait pas de pain, comme on dit, d'accord, ça coûtait pas tellement d'argent, puisque de toute façon, il fallait manger, tout le monde doit à Yerushalayim, il fallait manger sa viande, donc on utilisait ça le maaser. En tout cas, on va comparer maintenant le Bechor et le Maaser, à savoir si on a les deux korbanot. Moi je suis venu avec mon Maaser, et à part ça j'ai aussi donné au Kohen le Bechor, et maintenant on a les deux à faire devant nous. Lequel, qui sera prioritaire ? La Mishnah m'enseigne, « A Bechor kodem le Maaser », le Bechor a la priorité sur le Maaser, sur le dixième. Bechor, c'est le premier-né, le Maaser, c'est le dixième. Mipene shekdushato merechem, pour deux raisons. Il a deux atouts, le Bechor, qui est kdushato merechem. Sa sainteté provient de la matrice. Il est né avec la kdusha, à la différence du Maaser, qui n'était pas encore désigné comme Maaser, jusqu'à qu'on a réuni tous les nouveau-nés, qu'on a compté le dixième, et qu'on a dit, toi, tu seras le Maaser. D'accord ? Première raison. Deuxièmement, venecha la kohanim. Et en plus de ça, il est consommé exclusivement par les kohanim, ce qui implique donc qu'il a des halachot plus rigoureuses, donc qui est plus sain. Ensuite, on compare maintenant hamaaser kodem la ofot. Alors maintenant, on va parler. Donc on arrive au Beth Amikdash. J'ai mon sacrifice de maaser. J'ai un petit veau qui est né. Que je veux faire en maaser, et en même temps arrive au Beth Amikdash deux personnes avec
des tourterelles, des tourelles, je ne sais plus comment il faut dire, des pigeons, c'est plus facile à dire. Torim obnei yona, il arrive, un, il a une chatata off, et l'autre, il a une olata off, une holocauste d'off, de volaille, ou l'autre, un corban expiatoire, quoi, un chatata off. Pour rappeler un petit peu de règles, on les rappelle très rapidement. Chatata off, on fait la médica, et on verse le sang sur le yesod, et ensuite, il est entièrement consommé par les kohanim. Le Khatata Off, on le faisait en bas du misbéach. Tandis que la Olata Off, le Kohen montait en haut, il faisait là-bas la Melika, il aspergeait le sang, et puis ensuite il le jetait intégralement au feu. D'accord ? C'est important pour comprendre tout de suite. Je fais tout de suite une petite parenthèse aussi. Dans notre Mishnah, on va comparer si on a un Maaser face à un Off, à une volaille. Un Maaser, donc, de bétail, avec un, on va parler d'une chatata off en fait, d'accord, qu'on a un corban expiatoire de off, de volaille. Il nous manque une chose en fait, que si je ne me trompe pas, on en reparlera dans le Mishnah d'Alet un petit peu. Il y a quand même une introduction, parce qu'en fait, non, c'était déjà pris dans le Mishnah Bet. Le principe que tout d'abord, lorsqu'on a une chatat et une ola, alors on a une règle. Lorsqu'on a un chatat et un ola, une Ola, on donne d'abord priorité au Khatat. Parce que d'abord, ouais, c'était dans la mission précédente qu'on avait appris. On fait d'abord le Korban Khatat, parce que d'abord il faut expier les fautes et puis après on fait des cadeaux. Ola, c'est un pur cadeau qu'on fait à Hachem. Tandis que Khatat, c'est un cadeau d'excuse. Donc quand t'as outragé quelqu'un, d'abord tu dis pardon, après tu commences à lui faire des cadeaux, d'accord ? C'est la règle. Selon ce principe, on donne priorité toujours au Khatat avant les Rolot. Je referme la parenthèse et maintenant je reviens ici qu'on est en train de comparer si on a un maaser du bétail avec, la Mishnah ne précise pas, avec une volaille. En fait, il faut dire qu'on a forcément une volaille khatat, d'accord, d'expiation. Et on ne parle pas d'une ola, parce que si on avait en plus de ça une ola taof, alors il est évident qu'on fera de toute façon, qu'on fera toujours passer la khatat taof avant la ola taof. Je m'expliquerai ensuite. On va plutôt lire la Mishnah, après je vous expliquerai où je vais en venir en fait. Il y a une petite feinte dans le Barthénon en fait qui va nous expliquer, donc j'ai voulu préparer le temps, enfin je me suis embrouillé, j'ai compliqué l'histoire. Regardez, il n'y a rien compliqué. A Maaser Kodem Laofot. D'abord, le Maaser, le dixième du bétail, précède les Ofot. Pour quelle raison? Deux raisons. Il a deux atouts. Mipene Shehu Zevar. Tout d'abord parce qu'il est... C'est un Zevar, c'est quelque chose qu'on égorge, à la différence des Ofot, qu'on leur fait juste la Melika avec l'ongle du Kohen, et le fait qu'il ne requiert pas un ustensile pour être égorgé, ça montre qu'il a une ma'ala, il a un niveau moins haut que l'autre. Donc on donne d'abord priorité aux zvachim, avant les ofot, avant les melikot. D'accord ? Et en plus de ça, alors c'est sur ça que je me suis pris la tête en fait. D'abord je traduis ce qu'il y a écrit, et puis après on expliquera ce qu'il dit le Barthénora. Mais en plus de ça, l'avantage qu'il a le ma'aser face aux ofot, c'est que Veyesh Bok Kodesh Kadashim, Damo Ve'emurav. C'est que le Maaser, lui, il a quand même deux choses qui vont revenir au Misbeach, qui vont donc avoir un statut de Kodesh Kadashim, qui vont falloir nécessairement faire brûler, laisser dans l'enceinte, qui sont Damo, son sang, Ve'emurav, et ses tripes. D'accord ? Plutôt les graisses. Emurav, c'est les graisses, ça s'appelle les mourim parce que c'est ce qui est amour batora, machine emar batora qu'il faut les apporter, qui sont les fameuses graisses, amchaset akrev, yotrat akaved, vet shtak layot. Et d'accord, la Torah le précise à chaque fois. Quelques graisses qu'il faut apporter succinctement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque je dois apporter tout corban que je vais faire, je vais nécessairement asperger de son sang. Et en plus, ça, récupérer ses graisses et les faire monter au misbéach. Et après, le reste, ce sera certes consommé par la kohanim. Par le. Si c'est un maaser, il sera consommé par le propriétaire, aucune part pour la kohanim. D'accord ? Alors la Mishnah vient, m'enseigne et me dit, tu sais, regarde, l'avantage qu'il a, pourquoi est-ce que je donne priorité au shlamim plutôt que le maaser, plutôt que le off, donc qu'on parle cette fois-ci de khatata off, c'est parce que lorsque tu vas faire le shlamim, tu vas donner deux choses sur le misbéach, son sang et ses graisses. Alors que quand tu vas faire le khatata off, tu vas juste donner le sang, tandis que la khatata, elle va être consommée entièrement par les kohanim. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Il y a un problème maintenant. C'est que la Mishnah, apparemment, lorsqu'elle a parlé des ofot, de toutes les volailles, elle a parlé du khatataof comme du olataof. Et dans ce cas-là, si tu parles du olataof, alors l'olataof aussi, il a deux choses qui reviennent au misbéach. On verse le sang, et puis après on jette toute la ola.
C'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de me dire non. Alors c'est pour ça que le Partenora, maintenant, il a commencé à me dire attention. D'abord, premièrement, la Ola Taof, c'est même pas la peine d'en parler. Parce que la Khatat, elle sera toujours prioritaire sur la Ola. Donc, face à une Khatat, Khatat Aof et Ola Taof, tu donneras toujours priorité à la Khatat. Donc, on s'intéresse même pas à savoir est-ce que la Ola Taof, elle a deux choses qui vont venir sur le Mizbeach, parce que de toute façon, ça lui donnera pas priorité, parce qu'on donnera toujours priorité à la Khatat. Parce que d'abord, on expie avant de faire des cadeaux. Donc, toujours, Khatat Aof, elle va toujours précéder le... devancer plutôt le avoir priorité sur la Ola Taof. Maintenant, donc, tu veux comparer les volailles, tu vas nécessairement comparer que la Khatat Taof. La Khatat Taof face au Shlamim, alors le Shlamim, il aura en plus de ça l'avantage d'avoir deux ma'alot, à la différence du Khatat, qu'on ne verse que le sang, tandis que la viande, elle est entièrement consommée par les Kohanim, d'accord ? J'espère que c'était assez clair, il y a de quoi faire du pile-poule, d'accord ? Il y a beaucoup de quoi rallonger même. On a dit l'essentiel, Baruch Hashem, c'est écrit dans Bratanor aussi, si ça vous intéresse, lisez, traduisez. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.